Mais pour nous, c'était un test très très important, parce que voilà, on avait joué quelques équipes qui étaient faibles. Et puis là, vraiment, c'était pour nous un match très important. C'était s'étalonner contre une équipe qui souvent monte sur le podium et fait des médailles. Donc, et puis pour nous, ce soir, c'était pas un match amical, parce qu'il y a un classement FIFA. Et on venait juste de reprendre la cinquième place à la Suède. Donc si la Suède venait gagner ici, elle passait devant nous. Donc voilà, on garde notre cinquième place et peut-être la quatrième. Ça fait du bien, c'est toujours difficile de jouer la Suède. Physiquement, c'est difficile parce que ça a été un match vraiment de grande intensité. On a enchaîné les sprints avec Eugénie devant. On était un peu cuite à la fin, mais du moins, voilà, on a gagné. C'est bien là, le principal. Je suis satisfait pour les filles parce que ça fait 5 mois qu'elles bossent comme des folles. Donc voilà, quoi, s'il y a un grand coup de chapeau ce soir à donner à quelqu'un, c'est à ce groupe. C'est un groupe qui est extraordinaire, qui passe des heures en musculation, qui passe des heures sur le travail tactique, qui passe des heures sur tout ce qui est physique, sur toutes les observations. Ouais, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Moi, je vais rejoindre notre sélectionneur sur la satisfaction de ce match et sur le fait que les joueuses sont ravies de l'avoir gagné parce que l'équipe de France a une histoire. Bien avant que nous, le staff, on arrive, ce nouveau staff. Et dans l'histoire de cette équipe de France, battre la Suède 3-0, manifestement, c'est un résultat significatif. Et de les voir satisfaites, heureuses de ce résultat, c'est ça qui nous comble. Cette victoire leur appartient. Elle leur appartient, cette victoire aussi, parce qu'elles travaillent bien. On ne s'était pas vu depuis 2 mois, on s'est quitté le 31 novembre, on se retrouve le 3 février et on pouvait se poser la question de leur réactivité à retrouver les automatismes, à retrouver les principes que met en place Philippe et le staff technique, et elles ont répondu présent. Ça fait vraiment plaisir. En tant qu'entraîneur, j'aime bien avoir la maîtrise technique collective, quoi. Donc ça passe par, par beaucoup de séances de conservation, beaucoup de séances à 2 touches et 1 touche de balle, ce qui oblige à faire des 1-2, des appuis soutien. Bon, mais on reste dans un système, on est en 4-4-2 depuis le début, depuis 5 mois, et on bosse sur ce système-là. Donc les filles connaissent parfaitement leur rôle. Je faisais ma 5e, c'est vrai que, bon, comme d'autres matchs, je me donne toujours à 100%. Là, j'étais bien ce soir, il y avait pas mal d'espace et voilà, on a bien joué le coup, et puis les filles m'ont très bien servi aussi, donc voilà. Donc c'est moi qui vais avoir l'honneur de te le remettre, mais Philippe te félicite aussi. Et donc voilà, pour ta 5e sélection. Bon, on avait travaillé sur des ballons excentrés où elle rentrait à l'intérieur, balle au pied, et puis donner dans l'intervalle, donc elle l'a fait. Voilà, donc ça doit lui donner beaucoup plus confiance. On voulait gagner les points FIFA, on est bien. Ciao. Et puis le clin d'œil en tant que préparateur physique, c'est dire qu'on a mis un petit accent sur la vitesse, car on s'apprêtait à rencontrer une équipe réputée la plus rapide dans le jeu en Europe. Nous tenons ça du débriefing du championnat d'Europe 2013. Et le petit travail sur la vitesse dans lequel elles ont bien répondu, bien apporter ses fruits. Je terminerai par un petit clin d'œil à mes collègues préparateurs physiques de l'AD1. Allez, moi je vais les citer, ça me fait plaisir. Antonin da Fonseca à l'OL, Mathieu Chirac à Juvisy, Dimitri Lipov au PSG. Je vais parler d'Éric Nicolas à Montpellier et de Rodolphe Leclerc à Guingamp. Je parle là des préparateurs physiques des clubs qui nous apportent des joueuses à l'équipe de France. Leur dire que le niveau physique de l'équipe de France va monter et que ça se fera pas sans eux dans les clubs. Et ma conclusion, elle est là. Le physique est l'affaire de tous, de l'AD1, de l'équipe de France et des joueuses qui, elles, adhèrent. Alors, vivement la suite. Rendez-vous au tournoi de Chypre. Les objectifs, c'est de préparer l'avenir.
C'est vrai que sur le tournoi de Chypre, je vais faire monter quelques jeunes joueuses encore pour qu'elles découvrent le niveau international, étant donné que je peux prendre 24 joueuses. Donc ça me permet peut-être d'amener 4 nouvelles joueuses. Donc c'est bien pour les jeunes et puis ça met le feu aussi un petit peu aux anciennes. Gagner la Suède, on l'a fait aux Jeux Olympiques et derrière on a perdu, donc il ne faut pas s'enflammer, mais il faut vraiment savourer cette belle performance. Restons calmes, restons humbles, parce qu'on n'a encore rien gagné. Et le chemin est encore très dur et très très long parce qu'il y a des équipes exceptionnelles.